Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une capture d'écran. Donc, c'est une fonction très intéressante, mais qui est cachée dans le touchpad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de menu pour y arriver. Il suffit juste de faire la combinaison de deux touches, c'est-à-dire la touche allumer, éteindre, ou sortir de veille, c'est la même chose, et la touche ici, donc la touche de menu en même temps. Donc, il va falloir combiner les deux touches en même temps. Donc, je vais vous montrer l'exemple type, c'est l'écran d'accueil. Donc, si on appuie sur les deux, vous avez un petit clic et vous avez une espèce de flash qui sort de l'écran. Ça indique que la photo a bien été prise. Alors elle peut être prise sur n'importe quoi. Je m'explique. Vous avez par exemple un menu, donc un des menus de la touchpad. C'est pris en charge également. Vous avez les pages internet. Exemple type, je lance une page internet. Donc je vais mettre mon autre blog, enfin un de mes autres blogs sur le film Sucker Punch par exemple. Donc voilà, on a un blog classique avec les menus. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de réfléchir à une page un peu lourde avec des photos. Voilà. Voilà par exemple. Donc là on a trois photos, on a le blog avec tout ce qui est flash à côté, la barre de tâche, tout. Donc là, je vais le faire aussi. Voilà. Donc là, la photo a bien été prise. Ça peut aller même très loin. On peut faire la même chose avec les menus contextuels. Voilà. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire. On peut le faire vraiment dans tout, voire même dans des applications. Donc l'exemple type, je vais aller... pourquoi pas... dans le menu photo par exemple. Donc dans le menu photo, prendre ce qu'il y a en fait en gros. Voilà, c'est fait. Donc après, vous allez me dire, c'est bien beau de faire des photos, mais après, encore faut-il les trouver. Donc pour les trouver, c'est très simple. Vous rappuyez le menu et vous lancez justement ce fameux mode photo que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous avez un petit menu qui s'appelle... je vais vous le montrer plus clairement. Voilà, capture d'écran. Donc capture d'écran, vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir toutes les photos que vous avez prises tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, la photo de tout à l'heure, regardez bien, vous voyez, c'est bien une photo. C'est pas le... c'est pas ce que mon fond d'écran classique, vous voyez. Donc ça, c'était la photo du fond d'écran. Après, la photo des paramètres, là aussi vous voyez, c'est une photo alors qu'on pourrait croire que c'est un des menus. La photo du site internet de tout à l'heure, donc qui a bien été prise également. Et enfin, la photo du site internet avec le menu. Voilà, j'espère que ça vous servira, et ça peut toujours être utile de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite de bons tests, de vous amuser avec votre touchpad, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont sur le site. Donc le site, c'est exploitersontouchpad.blogspot.com. Voilà, salut.